Bonjour à tous, vous êtes sur Cuisine AZ et je vous retrouve aujourd'hui pour une super recette de céleri, crème de parmesan et pancetta. Je m'occupe tout de suite de mon céleri que je pose sur la planche, je l'épluche au couteau et je vais le tailler en fines lamelles. Ces lamelles, on va les coucher dans l'autre sens et les tailler pour obtenir de fins bâtonnets. Je vais ensuite cuire mon céleri à la vapeur, pour ça une grande casserole, une grille et de l'eau qu'on va monter à ébullition. Il nous restera à poser le céleri sur cette grille et à les cuire pendant environ 10 minutes. Après ces 10 minutes, on réserve le céleri et on s'occupe du reste de la recette. Dans une petite casserole, de la crème fraîche liquide, du parmesan, un peu de sel, un peu de poivre et on monte ça à feu moyen pour le laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Et enfin, je m'occupe de la pancetta qu'on va tailler très finement sur la planche avec notre couteau et dans une poêle bien chaude. On va faire dorer cet ensemble, ça va commencer à sentir bon dans la cuisine et on va finaliser la recette en ajoutant notre céleri qu'on fait sauter avec la pancetta, un tour de sel, un tour de poivre, notre crème de parmesan, vous laissez infuser pendant encore quelques minutes. Et on va pouvoir dresser ça dans une assiette creuse telle des spaghettis carbonara, un peu de sel, un peu de poivre. Il nous restera à nous régaler et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.